السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonsoir, messieurs, dames. Intakishia. Nous sommes le 02-04-2011. J'enregistre cette vidéo en réaction à la façon dont ces deux chaînes arabes d'information couvrent les événements en général dans le monde arabe et particulièrement en Libye. J'entends Al Arabiya et Al Jazeera. Par leur façon de faire, elles ne ressemblent plus du tout à des organes d'information télévisés. C'est plutôt des organes de propagande dignes si nous étions en 1939-44, dignes de la propagande de Goebbels. Ils sont ainsi au service d'un parti contre l'autre, plutôt de respecter l'objectivité et l'éthique du journalisme, c'est-à-dire la vie et la vie contraire. Plus j'entends et regarde les deux principales chaînes d'information arabe, Al Arabiya et Al Jazeera, spécialement pour la couverture de ce qui se passe en Libye, plus ces deux chaînes, qui semblent consacrer essentiellement leur effort de couvrir ce qui se passe en Libye, leurs rapports prennent une forme de rapport de guerre idéologique au service d'une partie contre l'autre, ce qui n'est pas le rôle propre de journalisme, de rapporteurs qui se respectent pour informer d'une façon objective comme l'on peut s'y attendre. Cette forme armée idéologique dite journalistique n'a de journalisme que de nom, puisqu'elle relaie les frappes aériennes détournées elles-mêmes de leur objectif, décidées au Conseil de sécurité, dirigé par les plus vicieux et les plus hargneux, tels que Sarkozy et autres, qui a un double objectif de disloquer la Libye parce qu'il est au service d'Israël et de préparer des commandes industrielles pour remplacer tout ce qu'il peut casser et détruire en Libye, tant en matériel militaire que civil, qu'en infrastructure, qu'il espère voir reconstruire, recommander à l'issue des hostilités où il compte bien la victoire des hurluberlus qu'il a vite reconnu diplomatiquement en achetant la peau de l'ours avant de l'avoir capturé. Donc, disais-je, cette propagande à la Goebbels qui nous est distribuée par ces deux chaînes arabes d'information partisanes, soi-disant pour le bien, aide arbitrairement les insurgés surarmés qui reçoivent déjà une couverture aérienne avec des orgues de Moscou, des mitrailleuses lourdes, des systèmes anti-aériens pour détruire des objectifs terrestres et d'autres engins blindés. Ce n'est plus ce qu'on appelle avis et avis contraire que nous fait voir ces chaînes d'information arabes. Ces chaînes participent à la guerre au même titre que les insurgés surarmés contre les forces de Muammar al-Qaddafi. Elles prennent même des initiatives à la place des insurgés surarmés, en les orientant et en les organisant, et en organisant même pour eux des contacts avec des personnalités politiques appartenant à ces gouvernements qui ont pris part à ces bombardements des forces de Muammar al-Qaddafi, allant jusqu'à même négocier pour eux certains empêchements pour encore les surarmer, déjà alors qu'ils sont bien armés, prouvant leur capacité d'offensive et de contre-offensive. En agissant ainsi, ces chaînes arabes d'information ne peuvent pas s'étonner d'être pris comme objectif militaire, de devenir un objet à détruire, puisque déguisé en journalisme, ce ne sont que des soldats pour la partie adverse, des espions et des ennemis pour le camp
de la partie adverse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.